Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredge. J'espère que vous allez bien. On ne notera pas le petit bug qu'il y a eu sur l'intro, là, je sais pas pourquoi elle s'est coupée. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un Metroidvania, Ori and the Blind Forest, sorti en 2015. Un jeu indépendant, donc réalisé par le studio Moon Studio. Et édité par Microsoft, donc le jeu est disponible sur PC et sur console de Microsoft, donc Xbox, Xbox 360, Xbox One, tout ça. Et on va jouer à la Definitive Edition. Definitive Edition que je ne connais pas parce que moi j'ai fait le jeu de base. Et il paraît que la Definitive Edition rajoute des zones en plus, des compétences en plus, du contenu supplémentaire. On va découvrir ça ensemble. Moi ça va, je vous remercie. Et je suis très content de vous faire ce jeu, puisque comme Castlevania, il faisait partie de mon top 10 des jeux de la décennie. Vous allez vite voir que c'est un jeu qui est plus sur l'ambiance, sur le visuel et sur les décors que sur la difficulté, comme peuvent l'être, pardon, certains Metroidvania. Mais c'est justement ça qui m'a plu, le fait que le jeu ait quand même un petit peu de difficulté, mais pas trop. Le jeu, c'est vraiment vivre une aventure. Et on va découvrir ça ensemble. Alors, je suis désolé pour toi, Fallon, mais il risque d'y avoir par moment un petit peu de couleur. Mais par moment, pas beaucoup. Bon, par contre, on va avoir un perso tout blanc, tout lumineux, hein, tout ce que tu aimes. Allez, c'est parti. Hop, on démarre en difficulté normale. Ouais, non, vie unique, non, non, j'ai pas assez de skill pour ça. Je vais probablement mourir et pas qu'une fois, donc. Excusez-moi, j'ai mis le jeu en pause, c'est normal. Voilà. Vous me direz si le son du jeu est trop fort, pas assez fort. Voilà, vous me direz, hein. Attendez, le chat s'affiche pas. Effectivement, c'est normal. Hop, voilà. Maintenant, il devrait s'afficher. Excusez-moi, c'est moi qui avais oublié de remettre un truc. Tac, tac, tac. C'est bon, on est bon. Normalement, il devrait s'afficher là. Sinon, j'actualiserai tout à l'heure. Ni des rondelles. Bon, graphiquement, déjà, j'aime beaucoup le style graphique, hein. C'est vraiment très joli. Donc à part Adeline et j'imagine Asukami, les autres, vous connaissez le jeu ou pas du tout? Alors, c'est moi, c'est la petite bestiole. On va juste s'habituer au blanc. Play, mais c'est tout. Ah.
Tiens, coucou Arisa. Tu prends ton réseau cellulaire pour venir faire un tour. Ah ben c'est gentil à toi. Bon, moi je m'enfuis avec les fruits, excusez-moi. En cette terrible nuit, Fallen débarqua et décréta que la couleur devait disparaître du monde. Cache-toi, Ori! Comment ça, une pause magasin? Mais on doit toujours faire les magasins! D'ailleurs, sacrilège! Dans l'épisode que j'ai enregistré dans Grandia aujourd'hui, j'ai oublié de faire les magasins. Je m'en suis rendu compte en fin d'épisode. C'est scandaleux! Ça va, il n'y a plus trop de couleurs, Fallen? Ça te va comme ça? Ouais, ça doit être ça, Fallen. Il voulait pas me voir dépenser. Ça doit être ça. Non, mais j'étais pris par l'histoire. J'étais en lien avec Valmar et j'étais pris là-dedans et je me suis rendu compte que j'avais pas acheté l'équipement. Bon, il est temps pour moi d'aller sauver le monde. Allons-y! Bah je trouve, tu vois, Arisa, je trouve le 2 plus triste que le premier. Le premier est triste, mais je trouve le 2 beaucoup plus triste. Ouais, bien sûr, j'ai joué au 2, je l'ai fini le 2. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai pas fait en let's play, hein, mais j'ai joué. Et je trouve le 2 beaucoup plus triste. Ah, ça, je peux pas te dire. Si tu le sais pas toi, si tu l'as fini, personne ne saura. Je pourrais faire ça, Arisa, mais si je fais ça, après, tu vas commencer à flipper. Donc je préfère ne pas le faire. Bon, en tout cas, ça met bien dans l'ambiance, hein. C'était hyper coloré, hyper joyeux. On est bien dans l'ambiance là, hein. Salut, initié. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Ça va, ça va.
Bon, on va pas spoiler des fois que je fasse le 2 un peu plus tard, Arisa. Mais oui, de toute façon, le 2, moi, je le trouve assez triste, hein. Succès déverrouillé, le périple commence. Oui. Appuyez sur A pour sauter. Je saute. Oui. L'arrière englouti. Oui, je le fais avant que le tuto me le dise. Là, on peut pas encore. Hein. Hop. Un éclat de vitalité, récupérant pour régénérer ta vitalité. Oui, ma foi, cela va m'être utile. Oui. Tu as trouvé une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Appuie longuement sur B pour créer un lien d'âme, ça sauvegardera ta partie. Voilà, partie sauvegardée. Bien. Oh, shit. Ah. Non! Ah ah! Victoire! La lumière spirituelle remplit la jauge pour obtenir un point de compétence. Très bien. Fuyons cet endroit hostile. Les sbires de Fallon me poursuivent. Tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Ta jauge se remplit. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Je sais plus, le 2 je l'ai pas fini à 100%, c'est sûr, le premier je crois que je l'ai fini aussi à plus de 100%, me semble. Hey, listen! J'ai gagné un point de compétence. Crée un lien d'âme, appuie sur B pour ouvrir. Appuie sur B. Oui, voilà. Alors, cette barre représente la quantité de lumière spirituelle récupérée. Absorbe donc 43 pour obtenir un autre point de compétence. Ok. Et donc là, c'est ce que je peux prendre. Alors, permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger. La plupart des objets à récupérer flottent vers Ori. Ça, c'est intéressant. Permet de réutiliser les liens d'âme
et réduit le temps de recharge. Trois flammes avant de devoir recharger. Non, je vais prendre le fait que les objets viennent à moi. J'avoue que ça c'est intéressant. Aïe. Voilà, venez à moi. Les sbires de Fallon. Alors, ouais. Oui, allons-y. Allons-y. Donne-moi ça. Y a pas un truc là? Non. Yep. Comment on monte là déjà? Yep. Voilà, un peu d'élan. Oh! Tout doux, tout doux. Donne-moi de la vie. Là, on fait attention. Ah! Aïe! Saleté. Qu'est-ce que ceci? Les pieux esprits sont d'anciennes structures, ok. Ah oui, c'est des points de TP en gros. Des points de TP et des points de heal. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de stream Ori? Le fait que Baton Kaitos j'ai pas réussi à le configurer. Le fait que ça fait partie des jeux dans mon top 10 des jeux de la décennie que j'aime beaucoup. Et voilà. Voilà, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Ah ah! Créer un lien d'âme, appuie sur B. Alors, on va prendre. Là, il faut combien? Nécessite aimant spirituel, oui. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Ouais, on va déjà prendre les flammes. Alors, comment ça marche les flammes? Je ne sais pas. C'est quoi? Ouais, flamme spirituelle. Oui, appuyez sur X. Ça, ce sera après. Bon, je n'ai pas trop compris comment ça marche, mais on verra le moment venu. Hop là! Oui! On fait attention. Hop! Hop! Allez, mourez, mourez, vermine, mourez. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? N'hésitez pas à me taguer si jamais vous avez un truc à me demander, parce que je vois pas forcément tout. Les clés de pierre permettent d'ouvrir les portails aux esprits. Chaque portail d'esprit nécessite un nombre de clés prédéfinies. Ok. Alors, tac, tac, tac. Oui. Et là, il me faut deux clés. Ok. Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Ben, j'en ai une. Et il m'en faut une autre qui doit être au-dessus. Alors, allons-y. Donnez-moi vos âmes, vile créature de Fallon. J'ai pêché un pigeon, je veux mon accent. Non, il est mort ton pigeon. T'as pas vu son rrrr de... qui annonçait le glas, pigeon. Un lien d'âme prêt. Alors, tu as trouvé un fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. Très bien. On va où là? On va commencer par là. Je suis pas sûr que ce soit le bon chemin. Mais c'est pas grave. C'est du papillonnage. C'est le principe d'un Metroidvania, n'est-ce pas?
Alors, grotte mystique. Là, il faut des clés, très bien. Aïe. Salut, Omicron. Comment vas-tu? Bonjour. Pas monter, hop, plus haut, aïe. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Aïe. Alors, point de compétence. Hop. Flamme étincelante. Augmente la puissance de la flamme surrituelle. Ouais, ça c'est bien ça. Ça on le prendra forcément, mais là pour l'instant, plus de puissance. Plus de puissance, plus de pouvoir. Ça c'est bien. Alors, c'est absolument pas là que je dois aller, hein, mais c'est pas grave, écoutez. Ouais, et ils ont mal fini, c'est ça? Bah si, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille en fait. Hein. Ce jeu ressemble à Hollow Knight, en beaucoup plus facile, Omicron. Bah c'est un Metroidvania. L'ennemi de la lumière, le bras droit de Fallen. Alors, tu maîtrises le saut au mur. Utilise cette compétence en direction du mur à plusieurs fois pour rebondir à l'autre. Là, c'est potentiellement la compétence la plus craquée du jeu. Parce que... Swick, 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 swick. Voilà, maintenant on peut sauter partout. Alors, une cellule d'énergie, donc je l'ai, j'en ai deux, c'est très bien. Parfait. Allez, maintenant que j'ai ça, j'imagine que je vais pouvoir aller un peu plus loin. Squeak, squeak, squeak. Maintenant que j'ai le sens de l'araignée pour m'arrêter. La griffe de l'araignée pour m'accrocher. Aïe. Hop là. Ah, un Magikarp, bientôt le Léviator, Adeline, c'est bien. Hop là. Aïe. Aïe. Joué. Oh, 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 oh. Du calme, mon ami, du calme. Qu'est-ce qu'on a par là? On a seulement quelque chose par là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Aha. Bon, encore une fois, je ne suis pas certain qu'il faille aller par là, mais on va y aller. Si j'arrive à monter, voilà. On va faire, attendez. Quitte à être là, hop, voilà. Donc ça a fait... Non, c'est pas ça. Ça a fait un petit point de sauvegarde. Allez, 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 stop. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors, ouais, ça c'est bien. De l'XP, s'il vous plaît, merci. Il n'y avait pas carrément eu une entre des araignées dans Hollow Knight? Je me souviens plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? J'ai trouvé un fragment de pierre carte. Place-le sur une pierre carte pour débloquer de nouvelles cartes de zone. Bah, je le ferai le moment venu. Donc là, on est bon, on a fait le tour. Du coup, on remonte et après on peut aller...
Toi sur la droite, toi à gauche, bon, on verra. Alors, on va commencer. Ah ben là, ah non, mais là, j'ai pas assez de fragments. Donc, on va revenir en arrière et voir si on peut monter. Fallen, garde tes sbires chez toi. Alors, le bosquet creux. De l'XP, je prends. Donc là, j'ai pas assez de force pour passer par là. Très bien. Oui. Plus de vie, ça c'est clairement oui. Le truc, alors attends, parce que là je peux pas aller à droite, je peux pas aller en haut. Là il me faut une clé pour passer. Si je vais à droite, je suis pas certain de pouvoir aller là-haut. Peut-être en bas à droite là-bas. Allons voir. Donc là, tout à... Alors oui, là par contre, je vous préviens, moi dans ce genre de jeu, j'allume... Enfin, j'allume, je mets la map 36 fois. Hein. Et niveau orientation, je me perds assez vite. Hop, hop. Donc là, on descend. Et ensuite, on part à droite ici. Ouais, c'est ça. Hop là. Oui, je veux bien sauvegarder. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as déjà vu quelque part? Ben, c'est bien. Moi, pas. Oui, c'est fait pour être désorienté, tout à fait. Ah bah c'est bien. Ça me dit pas où je dois aller moi, terrier de noir racine. Que je dois aller dans le terrier de noir racine. On n'y voit absolument rien, c'est encore Fallen qui a éteint la lumière ça. Aïe. Hop. Je suis pas certain qu'il faille y aller maintenant là, hein, mais bon, pas grave. Oh. Qu'est-ce que c'est ci? Je ne sais pas. Oh, 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 aïe, bon ben voilà. Non, je ne pense pas qu'il faille aller là pour le moment, mais ta vie. Je pourrais faire une blague, Fallen, mais je ne la ferai pas. Alors, j'ai oublié une clé quelque part là. Tiens, là en bas, pourquoi j'ai pas été là en bas? Oui, c'est une rift, certes, mais c'est pas le genre de blague que je ferais forcément. Bon, alors attendez, je vais me concentrer un petit peu pour savoir où aller, histoire de pas tourner en rond pendant 3 heures.